Salut, Céleste Angèle. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisque c'est pour vous annoncer plusieurs choses concernant une licence que j'affectionne tout particulièrement, qui cette année va avoir 10 ans, puisque le premier volet de la saga est sorti le 15 novembre 2007, et le 15 novembre 2017, donc il aura 10 ans. Enfin, cette saga aura 10 ans. Dans les dernières vidéos, vous avez peut-être remarqué, hein, je dis Origins, j'ai dit le dernier opus, tout ça, mais les deux premiers mots, je ne les prononce pas parce que bon, on m'a fait beaucoup de reproches sur la prononciation. Donc, je vais essayer de le faire à peu près correctement. Ne m'en veuillez pas. Hein, après, ça n'empêche pas, voilà, mon amour de cette saga. Tant pis pour vos oreilles. Donc, il s'agit évidemment, c'était marqué sur la vignette. Hein, j'ai même peur de y aller. Hein, je me lance, hein, j'y vais, on y go. Alors bon, il s'agit évidemment de Assassin's Creed. Et oh putain, ça se trouve, c'était bien. Et dites-moi dans les commentaires si c'était bien prononcé ou c'était encore ridicule. N'hésitez pas, hein. De toute façon, j'en prends plein la tronche en ce moment avec ça, donc ça ne me dérange absolument pas. Et on va fêter ça sur la chaîne de différentes manières. Il y aura différents events. J'ai travaillé depuis un petit moment avec voilà, en collaboration avec un autre star player, un ami à moi, qui a un blog et qui est passionné de cette licence également. Et on va vous faire en fait une rétrospective de la saga. On va repartir du premier, on va expliquer un petit peu les origines, on va expliquer comment cette licence est née, pourquoi elle est née, qui l'a créée, ce qui se passait en fait dans le premier Assassin's Creed également. Donc dans un premier temps, vous allez avoir une série d'un petit peu plus d'une dizaine de vidéos qui va revenir sur tous les volets et ce qu'ils ont apporté et dans le domaine de la saga et dans le domaine du jeu vidéo. Donc j'espère que ça vous intéressera. On a beaucoup travaillé là-dessus, surtout d'ailleurs le star player en question, dont je vous dirai le nom hein, très prochainement, mais pour l'instant je le garde entre guillemets secret. J'organiserai une fois cette saga finie, enfin cette chronique finie, d'autres events d'ici le 15 novembre. J'essaye de mon côté, mais bon, j'ai une petite chaîne donc c'est pas gagné, mais donc je ne veux rien vous promettre non plus, mais j'essaye d'obtenir que des guests viennent, quand je dis des guests, c'est des gens qui ont participé au développement d'Assassin's Creed. Donc j'essaye de je suis en contact avec des gens qui ont participé au développement de la saga pour les inviter, pour essayer de les interviewer sur tel ou tel domaine de la série. Donc en fait, jusqu'au 15 novembre, vous allez avoir de temps à autre des events comme ça qui vont arriver d'un coup comme ça, sans que forcément vous étiez prévenu, ce serait une surprise. Et donc jusqu'au 15 novembre, on va fêter sur la chaîne de plein de façons différentes les 10 ans de cette série. Il y a une chose que je dois également vous dire, et il ne faut pas que vous soyez surpris, c'est pour ça que je vous en parle, pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout, donc vous aurez l'information. Il y a une vidéo que je vous ai publiée il n'y a pas très longtemps sur Assassin's Creed qui va très probablement, c'est pas sûr encore, mais qui va très probablement disparaître. Je la réuploaderai dans une version différente. Alors, le commentaire que j'ai fait dessus ne changera pas, lui. Mais par contre, il y a des images qui vont disparaître, qui vont peut-être, hein, c'est pas sûr. Pour l'instant, j'attends confirmation. Je préférerais pas, mais bon, si je suis obligé, je suis obligé. Parce que j'aurais accidentellement leaké des images du jeu. Je l'ai vraiment pas fait exprès, c'était pas du tout mon intention. En plus, je savais pas que ces images-là étaient des images qu'on ne pouvait pas montrer. Donc, bah, du coup, j'ai leaké des images du futur Origins. Et il est possible que je sois appelé donc à virer cette vidéo et que je sois obligé de la remonter différemment. Ce qui changera rien du tout à la partie son, mais au niveau image, je substituerai en fait les images qui sont entre guillemets qui sont des leaks. Et je les remplacerai par autre chose. Donc voilà. Et la première vidéo de la série dont je vous parlais va arriver très vite hein, dans les jours à venir. J'espère que ça va vous plaire. On a beaucoup, et surtout mon partenaire et ami Starplayer a beaucoup travaillé dessus. Et donc j'espère que ça vous plaira. Moi de mon côté, après évidemment, lui fait ça par écrit sur son blog. Et moi évidemment je l'adapte, je le réécris pas complètement, mais je l'adapte de façon à ce que ça passe en vidéo. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, des gens qui vous aiment, surtout partagez, likez, c'est très important pour le référencement sur YouTube. Et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis comme d'habitude, bye.